Bonjour Mathilissa, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Aujourd'hui, on est là pour ouvrir un colis parce que monsieur ne veut pas le montrer. Il l'a déjà ouvert, on a juste regardé. Il va vous expliquer ça, c'est lui, c'est son colis, du coup, voilà. Alors, Bob Lennon, il y a août de l'année dernière, pas de cette année-ci, a fait un crowdfunding, si on peut dire, je ne sais plus c'est quoi le nom, sur Kiss Kiss Bang Bang pour la création de son livre. Donc, c'est Le Pyrobarbare et la forteresse du chaudron noir. Et vous, c'est lui. Et du coup, j'ai pris un pack. Et il a participé. Du coup, moi, je vais l'ouvrir. Attends, bon, du coup, mon petit en dernier. Oh, la matière est trop chouette. J'ai dit en dernier et toi, tu le montres maintenant. Voilà à quoi il ressemble. Avec des manches que je vais piquer. Et il a une capuche parce qu'il n'aime pas les pulls de jeu, je sais pas pourquoi. Voilà. Hop. Je me dis que c'était toi qui le porteras. Voilà, il va vraiment bien m'aller. Après, on a eu un petit marque-page. Il est trop beau. Ça, je vous montre pas l'arrière de trop parce que c'est les trucs que vous allez voir après. On aurait dû prendre un ciseau. Un jeu de cartes. Mais donne deux minutes de jeu de cartes. Mais je suis en train de deuxième côté. Il se trouve comme ceci. C'est un 52 cartes. 54, faut dire. Le jeu se présente comme ça. Ouais, 54. C'est un jeu de cartes classique. Et il y a des dessins. Je peux l'ouvrir ou pas? Attendez, je reviens chercher du ciseau. Je vais chercher mes ciseaux, c'est plus facile. Du coup, il se présente comme ceci. Vous... Ah, bon, ça, c'est le Joker. Oh, il est trop beau le Joker. C'est le Joker, vous avez déjà vu. Les chiffres, Mais ça reste normal. ça va, c'est pas tout ça non plus. Non, je voudrais voir le roi et voilà. Tu remets bien Le comme il faut? Non, t'as déjà mélangé les cartes. valet. La dame. Le roi. Et alors, il y a l'as. Voilà. Bah, non. Attends, je vais te les remettre à l'endroit. Monsieur est compliqué. De toute façon, si tu le joues Ici, avec... nous avons des cartes un peu particulières qui sont comme ceci. Et on a plusieurs qui sont identiques, mais dedans, il y en a deux différentes. Il y a celle-ci. Dame, tu montes pas bien. Celle. Il y a le roi et la dame. Et là, c'est le même. Il y a le roi et la dame. Donc, ici, c'est le monstre. C'est le même banane. Voilà. C'est le Et je même. sais pas pourquoi il y en a autant des vertes que les autres. À mon avis, ça a quelque chose à voir Je avec pourrais les avoir une verte? Non, parce que ça a à voir avec le jeu, comme c'est la B. Du coup, on a des petites portraits. Oui, parce qu'à la base, le livre, c'est quand même un livre basé sur le jeu de rôle. C'est-à-dire que tu joues ton personnage, tu choisis tes actions et tu te retrouves embarqué dans d'autres pages selon tes actions. Du coup, il y a celui-ci. Trop bon. Est-ce qu'il On va lire ça. Je vais essayer de le lire avant monsieur. Faut pas le lire, ben. Faut y jouer. Si tu lis toutes les actions, c'est débile. On va jouer. Elles sont très belles. Celle-ci, elle est trop belle, j'aime bien. Et là, Ah oui, ok. il a un poster qui est en train d'ouvrir. Oh! De type grand. Là, tu le rapproches pas, ça sert à rien. Woody, je t'ai Est-ce vu, un qu'il crétin. veut?
Et de l'autre côté, vas-y, c'est bon, fini. Et deux faces. Et le meilleur pour la fin. Mais oui, c'est mieux. Oh, il a abîmé ton livre. Le meilleur pour la fin, c'est cette bricasse. Voilà, du coup, c'est les aventures du pays. Non, non, les aventures du pirot barbare. Et vous, vous êtes béni dans la forêt. Forêt du chauve magique. Êtes-vous Billy? Êtes-vous Billy? Voilà, c'est lui qui l'a. Non, c'est vous. Vous êtes Billy. Oh, les dorures. Je sais même pas si je vous le mets à l'endroit. Hop. Et c'est un toc-toc. Un peu comme toi, quoi. Quand je voulais pas montrer au marque-page, c'est ça. On l'a là-dedans. En fait, c'est le suivre. Si vous choisissez la page 0, ben, elle est. Voilà, vous avez les que je me fasse pas engueuler. Prenons comme ceci. De toute façon, je veux rien faire que tu présentes. T'es entre moi et la caméra. C'est pas grave, t'as pas besoin de voir, tu verras après. Là, c'est plusieurs. Attends, laisse-moi montrer. Je peux voir mon Saint-Livre. Tu l'auras après. Là, c'est les règles du jeu. Les formes d'épée. Et vous avez plein d'explications. Là, le sommaire. Tu finis, tu l'auras après. La carte. Mais vous imaginez qu'elle a déballé. J'ai même pas encore vu une illustration. Là, c'est troué, c'est pas grave. Moi non plus. Voilà. Non, puis, à peine, tu tournes les pages, tu vois tout. Moi, je vois rien. Et voilà le texte. Attends, laisse-moi montrer. C'est d'abord la caméra. Vous voyez? Et vous devez choisir dedans. Voilà. J'aime bien l'arrière. Par contre, il est abîmé. Ouais. Je sais pas si vous allez le voir. Thanks. Là. Mais je peux voir justement. Là. Lui, ils le verront moins que moi. Mais ça, c'est le risque d'acheter en commandé. Ça, c'est. Ils sont pas bien protégés en fait. Ça, c'est surtout. Ouais, en fait, ouais. Ne dis pas que c'est moi, c'était déjà. Ah ben, elle est là aussi. La table des situations. C'est ce que j'ai montré. Hein. En fait, vous l'avez sur la carte marque-page. Ça évite de se taper la page une à chaque fois. Voilà, c'est pour ça qu'il l'avait. Et c'est vraiment pas mal. Et du coup, vous suivez. Vous avez toutes les situations pour jouer dans le jeu. Dans le livre. Voilà. Et pour quand même, ça m'étonnerait qu'il va le lire. Et pour les gens qui auraient pris la version encore plus haut, en fait. Aïe! J'assomme une femme. Tu me donnes des... Il y avait ce sac avec en couille. Il y avait encore. Et nous, on n'a pas. Il manque le drapeau qu'on aura plus tard parce qu'ils ont eu des problèmes. Le problème de chinoiserie. Voilà. Du coup, il y aura. Il manque le drapeau qu'on aura plus tard. Et il y avait encore le sac et une épée en plastique. Une épée en mousse. En mousse, voilà, qu'on, lui n'a pas épées, pris. Ouais, nous, on n'a pas pris la les mousse. Les épées étaient disponibles et voilà. Le sac, non, parce qu'il y a une chinoiserie. Mais le sac, c'est vrai qu'il m'aurait bien plu, moi. Ouais, mais la somme était plus chère, en fait. Voilà. À 100 euros. Voilà, mais le sac, c'est vrai qu'il m'aurait bien plu, moi. Voilà. Mais bon, c'est un sac de qualité en couille. C'est ça, quoi. 100% plus. Voilà. Maintenant, si on pourrait avoir le sac, ce serait peut-être mieux à part. Voilà. Je crois qu'on va plus avoir monsieur pendant un moment. Regardez, là, il s'est mangé. Il s'est même pas encore changé, il vient de rentrer du boulot. Ah, en fait, c'est toutes les enfin, il l'a reçu lundi matin. Il a été le rechercher après-midi. Et il a juste préouvert pour voir dedans et c'est tout. Et on voulait l'ouvrir avec vous. Non, en fait, c'est réellement le coin du livre qui a pris un coup et qui a plié les pages, en fait. Donc ça, vous voyez, il est à fond dedans. Pour la première fois qu'on va voir lire quelqu'un, le voir lire, ça c'est bien. J'ai ouvert une page qu'il ne fallait pas. Ah. Wi-Fi. Ah, mes lunettes à chaque fois. J'y peux rien, c'est du mauvais côté.
Voilà, bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le petit unboxing de colis de monsieur. Sur ce, on vous laisse. On vous dit à bientôt. Et je vous souhaite je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée au moment où vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou prochain vlog. Bye bye. On dit bye bye, hein, quand on est poli. Bye bye.